Mardi 7 août 2024, VOA Creole content entrer la CAO pour le présenter yon programme dans langue créole haïtien. Moi, c'est Jacqueline Bélizère. Yon plaisir, l'autre fois encore, pour nous avoir quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité électorale aux États-Unis, gros rassemblement populaire dans Pennsylvanie hier, côté vice-président démocrate la Kamala Harris, te partagé un podium à Colistelli, gouverneur Tim Walz, républicain, déjà réagi sous choix ça. Toujours dans l'international là, dans Bangladesh, prix Nobel la paix, économiste Mohamed Yunus, apparaît pour prendre tête un gouvernement intérimaire après démission premier ministre Sheikh Hasina, qui trouvait dans New Delhi, dans pays Inde. Et puis dans pays d'Haïti, parti Petite Dessaline, qui gagne en tête l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, lancé un ultimatum by président BNCA, Raoul Pierre-Louis, dans scandale corruption qui impliquait représentant l'INA CPTA, Emmanuel Vertilaire. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Actualité électorale là, ici aux États-Unis. Gros rassemblement populaire hier en Pennsylvanie, côté vice-président Kamala Harris, t'es partagé un podium à Colistelli, nous voulons dire candidat pour vice-présidence pour parti démocrate là, en parlant de gouverneur Tim Walz. Républicains ont déjà réagi sous candidature monsieur Walz. Nous pourrons gagner plus de détails avec Jean-Robert Philippe. Philadelphie, ville côté des ancêtres américains, ont été déclarés indépendance pays, a été montré mardi sous tout là, sommet démocratie de partis politiques, on a parlé de démocrates avec républicains, qui étaient organisés deux rassemblements populaires dans la ville là. Pour la première fois, vice-président Kamala Harris, candidat pressenti parti démocrate là pour l'élection présidentielle là, t'est présenté Colistier, le gouverneur Minnesota, Tim Walz, qui complétait ticket parti démocrate là pour l'élection novembre, non, face à candidat républicain Donald Trump avec J.D. Vance. Tim and I have a message for Trump and others who want to turn back the clock on our déclaré, freedoms. Si moi-même gagne un message pour Donald Trump à clôture qui voulait tourner vers là sur liberté fondamentale, non pas tourner derrière. Soldats dans l'armée, enseignants dans le lycée, entraîneurs de football avant de venir tourner politicien, Walz a lancé une attaque directe sur le candidat qui représentait le parti républicain. Si Walz déclaré pendant l'assemblée en Philadelphie, c'est observation par moi, lui dit, ou qu'on aime, ou sent-il. Monsieur Sayo fait son tressaillis, et oui, il est bizarre, même Jacques l'en fait. C'est ça, ouais. Quelques démocrates déclarés, Walz a mené tourner ancien démocrate Trump, qui vit dans l'État qui est capable de changer le résultat de l'élection. Dans l'analyse, je l'ai déclaré, moi, c'est un groupe démographique qui n'a pas Harris a besoin pour le gagner. Et moi, Tim Walz vraiment parlait avec l'électeur Sayo. Quelques temps avant le rassemblement démocratique, dans l'autre quartier dans la ville, le vice-président désigné parti républicain, J.D. Vance, organise un propre rassemblement pâle avec une touche unique. Répond à la question médias. Candidat pour poste vice-président parti républicain utilise quelques mots pointus pour candidat pour poste vice-président Harris. Tim Walz's record. Dossier Tim Walz, c'est une plaisanterie. Il s'est une famille radicale plus extrême gauche qui existe dans quel que soit niveau gouvernement américain. Vance frappe démocratie dans le domaine immigration, drogue, fentanyl, avec économie. Et lui-même, il est chute marché de la bourse là. Accident Kamala. C'est unusual to have a politician who's a writer too. This man, il est ici, t'es gagné en main. Livre mémoire 20 ans pendant l'étape suivre rassemblement populaire. Il est déclaré, l'inhabituel pour un politicien, c'est un écrivain en même temps. Donc, m'a observé. Dans 90 jours, électeur prend une décision entre un ancien président et un vice-président en exercice, mais l'équipe campagne Harris-là a cléonné un champ pour éviter Trump de retourner sur le pouvoir. Champ dit comme ça. Non pas tourner, non pas tourner. Caroline Pessouti t'es préparé à Tixa pour salle des nouvelles avant d'Amérique là. Et moi-même, Jean-Robert Philippe, t'es traduit et adapté pour VOA Creole depuis l'État Maryland.
Merci Jean-Robert Philippe. On dit que tous les deux partis ont continué à mener campagne plusieurs côtés dans partie, surtout dans zone côté que Mounio est décidé. À côté de Républicains, il y a plusieurs monde qui réagissent au choix gouverneur Tim Walz. Sandra Lemaire a mené nous dans Pennsylvanie. Candidat à la présidence Parti démocrate là, Kamala Harris, choisit gouverneur État Minnesota, Tim Walz, comme colistier li 6 août. Walz appuyé politique progressiste et li communiqué en façon simple en tant que moun région américain yorele que États-Unis, ça qui a attiré électeurs blancs dans zone rurale. Walz, 60 ans, c'est un vétéran garde national États-Unis, avec un ancien professeur l'école. Il était élu pour représenter un district qui a tendance à voter républicain dans la Chambre des députés en 2006. Il était servi comme député pendant 12 ans avant d'être élu monsieur gouverneur Minnesota en 2018. Patrick Egan, un professeur politique dans l'Université New York, NYU, dit les quoi choix très progressiste. It's a very progressive ticket against a very conservative ticket. And so il dit c'est un ticket très progressiste contre un ticket très conservateur. Donc ça n'a pas gardé, c'est plus preuve de gros polarisation qui existait dans la politique États-Unis que aucun candidat n'a pas vraiment senti qu'il était besoin d'attirer pendant qu'il a essayé d'encourager électeurs modérés à voter pour politique à priorité. Dans tous les deux cas, il est intéressant que vous ciblez électeurs modérés. J.D. Vance, prend pose Moonmon à Palaycha et puis Tim Walz lui-même prend pose chasseur à Moonzone rural Minnesota. Donc, nous vivons dans une époque côté style très important et c'est un bagage tous les deux candidats considérés. Par rapport à choix Walz en particulier, professeur Egan dit qu'il a attiré un groupe électeur important. Perhaps one of Walz's strengths is that he can speak to the kind of voter was not particularly drawn to Hillary Clinton in 2016. Il dit peut-être une à tout Walz, c'est qu'il a parlé à qualité électeur qui n'est pas tellement fou pour Hillary Clinton en 2016. Mais évidemment, il a décidé de voter pour Joe Biden en 2020. Électeur, ça y a grand monde, blanc, modéré. Et en plus, il a voté pour Biden dans le centre-ouest avec l'État New York, par exemple. Mais électeur dans Saint Paul, Minnesota, il y a une opinion dépendamment ce choix Walz là. I had a lot of mixed feelings. Il dit moi j'ai un pile sentiment dépendamment. Moi j'aimais que Walz fait un pile bagaille qui protégeait droits femmes, droits reproductrices, droits civiques, droits homosexuels. Ou qu'on ait bagaille qui progressiste. Mais n'était quoi les parts intelligents au point de vue stratégique pour Kamala choisir. N'était espéré l'étape choisir au monde qui sortit dans l'état n'a pas essayé de gagner, tant que Pennsylvanie ou bien Arizona. Citoyen et professeur Jessica Kahanek sent-il fier lui-même? It makes me proud as a Minnesotan that he. Il dit moi sent-il fier en tant que monde Minnesota que monsieur pour représenter Etano. Il fait face à un pile de défis dans Etano à tout ça qui est passé en 2020. Donc, il a une expérience. Moi connais famille importante pour lui. Il aime même monde et moi connais un gros atout. Dans Philadelphie, côté Harris, c'est paraître publiquement à Walz pour première fois, mounioté positif. Philadelphia is where America was born. Il dit c'est dans Philadelphie, États-Unis, prend naissance. Donc, nous avons une histoire ici. Le drapeau a représenté l'indépendance et la liberté. Et moi, optimiste que Harris avec Walz t'a aidé nous prochain objectif insaisissable. Ça. C'est dans la Convention nationale Parti démocrate là, dans Chicago, que vous va nommer officiellement Kamala Harris et Tim Walz comme candidat à la présidence et vice-présidence Parti pour l'élection novembre. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Guerre et Ukraine, la Russie apprend l'autre développement. C'est comme ça que président russe Vladimir Poutine lui-même il décrit jeudi mercredi yon attaque, plusieurs attaques plutôt que Ukraine fait dans région qui est les courses qui dans sud-ouest pays a comme yon provocation à grande échelle pendant que le président Poutine dit lui-même il continue à combattre et l'Ukraine bon côté pas il était silencieux, il pas fait aucune déclaration sous attaque ça yo
gros attaque, attaque à grande échelle que président Vladimir Poutine dénonce. Nous parlons du pays Bangladesh côté populace, côté prix Nobel la paix. N'a parlé de économiste Mohamed Yunus apparaît pour prendre tête un gouvernement intérimaire après démission pour premier ministre là. Valérie Seloui a présenté nous nouveau leader ça. Premier ministre pays Bangladesh, la Sheikh Hasina, t'es démissionné, elle t'est couru sauver quitter pays a lundi passé, après plusieurs semaines gros manifestations avec des blousailles qui t'est pété dans pays a. Des blousailles ont été commencé avec manifestation étudiants qui t'a revendiqué contre quota travail dans gouvernement. Mais manifestation ça a été bien vite transformé en un mouvement populaire qui t'a demandé démission premier ministre Sheikh Hasina et puis exigé nomination rival premier ministre là à la tête pays a. C'est Mohamed Yunus, lauréat prix Nobel là, qui a été voulu mettre à la tête du gouvernement provisoire. Mohamed Yunus t'a accepté de demande là. Mais qui ça nous connaît de monsieur ça? Mais Bangladesh a bail Mohamed Yunus tino banquier pauvre. Et il s'est un pionnier dans le mouvement microcrédit à travers le monde. Microcrédit a voulu dire pour prêter monde qui très pauvre l'argent pour dégager et souvent monde qui joue une presse à yo, c'est propriétaire de business yo. Mohamed Yunus ensemble à Grameen Bank là que il t'est fondé t'est remporté prix Nobel la paix dans l'année 2006. Peut-être que yo t'est aidé retirer plusieurs millions moun dans état pauvreté dans bail microcrédit prêter moun pauvre qui sorti dans zone rurale Bangladesh yo l'argent pour démêler tête yo. Depuis là modèle prêter l'argent ça t'est inspiré plusieurs projets même genre à travers monde là. Et puis en 2008 Mohamed Yunus t'est lancé banque ça qui relait Grameen America qui t'est concentré sous femmes américains qui vivent dans pauvreté. Pendant que tu commencé à gagner un pile succès, Mohamed Yunus t'a commencé une carrière politique. Et puis il t'a essayé de former propre parti politique par lui en 2007. Et c'est comme ça que tu t'es considéré comme ennemi premier ministre Bangladesh là. Ambition politique lui, t'es venu provoquer colère premier ministre là, qui t'a accusé comme monde qui a soucié sans pauvre. Gouvernement premier ministre Hasina t'a retiré comme chef Grameen Bank là en 2011. Il t'a fait connaître que à 73 ans, monsieur t'a arrêté dans le poste ça, dépassé l'âge légal pour prendre retraite lui qui c'est 60 ans. Plusieurs milliers Bangladesh t'ont formé une chaîne immense solidarité pour protester contre l'évocation liée. Mohamed Yunus t'est déjà en bas, j'ai la justice Bangladesh là, à Nessa, côté que le t'a fait face à une série de problèmes légaux. Il était condamné dans le mois janvier passé à 6 mois en prison pour violation de la loi sous travail. Les mêmes avec 13 autres monde t'est accusé pour détournement l'argent dans fonds caisse bien-être social travailleur, dans une compagnie de communication que le t'est fondé. Même moi ça, Mohamed Yunus t'est discuté. C'est dit télévision indien qui relaie Times Now là que lundi 5 août ça marqué deuxième jour libération pour pays Bangladesh là après la guerre d'indépendance contre pays Pakistan dans année 1971. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. D'après nouvelle qui sorti dans Dakar, dans le pays Bangladesh, économiste a supposé prêter serment demain jeudi. Nous parlons de la région Moyen-Orient. Côté groupe Hamas, la gagné un nouveau leader pendant que gen menace et vengeance qui continue à circuler dans la région. Gentil Augustin Junior. Hamas nomme nouveau leader groupe Amelia, Yahya Sinwar. Li remplacé ancien leader politique Ismaïl Haniyeh, qui était assassiné dans Téhéran semaine passée. 14 décembre 2022, dans 35e anniversaire groupe Hamas, Sinwar était déjà déclaré. Nous prenons arriver sur vous. Si bon Dieu voulait, tant qu'il y a une grosse inondation, nous prenons arriver sur vous avec une quantité de roquettes, nous pas qu'à compter. Nous pral rive sou ou ak yon la pli soldat sans limite. Nous pral rive sou ou ak nation nou an. Attaque après attaque. Sinwar, 61 l'année, te fait nan yon camp réfugié nan site Gaza, ville Khan Younis. Sinwar, te passé moitié la vie grand moun li nan prison Israël. C'est leader Hamas qui pi puissant qui rete vivant après assassinat anié. Jodi mercredi a, plusieurs centaines étudiants pote sipo yo bay nouveau leader Hamas la. Vice-recteur Université Sanaa di. Nous confirmé par les signes yo que Yahya Sinwar que yo choisi comme leader mouvement Hamas la, c'est pi bon et alternative qui pi approprié pour remplacer défunt Ismaïl Haniyeh. Leader Hezbollah dans le pays Liban, Saïd Hassan Nasrallah, déclaré hier mardi que réponse nous
pral fort et puis li pral efficace. Réponse nous an, si bon Dieu vle, yo pral fort, influent ak efficace. Et puis, entre nous-mêmes ak Israël, c'est seulement quelques jours ak la nuit jusqu'à ce que nous rencontrer sous terrain bataille là. Yon l'autre côté, l'armée Israël la pas suspend ak attaque li yo nan Gaza. Palestiniens yo constaté dommage nan building ak tant nan de Halbala nan Gaza jodi mercredi 7 d'août 2024 la. Jodi mercredi ya, Pape François la prié pour joindre la paix nan Moyen-Orient et puis mandé tout parti qui impliqué yo pour yo pas élargi conflit ya. Continue à suivre la situation en Moyen-Orient avec un pile inquiétude. Je renouvelle l'appel à toute partie concernée pour ne pas élargir le conflit et puis pour finir immédiatement avec toute hostilité. Combattant Hamas ont provoqué la guerre Gaza dans le mois octobre 2023. Les ont entré dans la communauté israélienne aux alentours de Gaza dans une attaque surprise qui a tué 1200 Israéliens et puis qui a pris environ 240 otages d'après officiels israéliens. Comme réponse, Israël a lancé une attaque brutale dans Gaza. Li touye environ 39 653 Palestiniens ak blessé 91 535 lot. D'après ministère santé Gaza, troupe Hamas la ap dirige. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et puis crise politique et électorale a persisté dans le pays Venezuela et qui pendant que eh ben membre opposition ben leader opposition boudé yon convocation Cour suprême nan yon mise à jour. Dans le pays Venezuela, candidat opposition Edmundo González Urrutia fait croire que c'est lui-même qui remporte la dernière élection présidentielle. Il déclare jeudi mercredi, il refuse de répondre à la convocation Cour suprême dans le cadre d'un démarche juridique Nicolas Maduro a fait pour valider le résultat élection et que l'opposition lui-même non seulement rejeté, mais il fait croire tout ça par refléter volonté peuple. Dans une note pour la presse qui paraît sur les réseaux sociaux, M. González Urrutia a déclaré si moi aller dans la Cour suprême, je vais le mettre. Non seulement liberté en danger, mais tout. Et ça que peuple a été exprimé dans la date 28 juillet passé. Candidat opposition qui gagne 74 ans, gagne plus passé une semaine depuis qu'il n'a pas paraître en public, pendant que actuel président Nicolas Maduro régulièrement a traité de criminel. La justice ouvrit une enquête criminelle contre M. González Urrutia et leader opposition Maria Corina Machado pour diffusion faux information, incitation pour désobéissance civile et incitation pour insurrection et complot criminel. Pendant ce temps, il y a l'ambassade pays la Russie dans Venezuela qui fait connaître que bateau de guerre Smolny dans la flotte russe là dans Baltique et ben il trouvé depuis hier mardi 6 août là dans Guarira, une ville dans Venezuela. Présence bateau ça fait partie des démarches qui visaient renforcer les relations bilatérales entre la Russie et Venezuela qui gagne la donne énergie, tourisme, économie, selon communiqué ambassade pays la Russie dans Venezuela. Et tout ça, dans une gros crise politique et électorale Venezuela, une crise qui provoquait réaction dans le monde, par exemple Chili, dans voie président Gabriel Boric, qui dit que le gouvernement Maduro a fait coquin dans l'élection. Le régime de Maduro a intentado. Je n'ai pas aucun doute que le gouvernement Nicolas Maduro a essayé de faire magouille. Il n'a pas présenté publiquement le résultat de l'élection présidentielle 28 juillet. Et il a déclaré tête vainqueur pendant qu'il falsifiait le système informatique. Non seulement ça, il a commis tout un paquet de violations de droits de l'homme avec masse pénale sur manifestants. Ça, aucun pays démocratique n'a pas accepté. Et le président Boric expliquait que toute la raison au Chili pas reconnaître résultat Chile élection ça qui bail Nicolas Maduro vainqueur autoproclamado de Maduro. CNEA, conseil électoral là, a ratifié victoire Maduro à 52% pendant que l'opposition lui-même dit que c'est lui qui remporte l'élection et yon victoire que qualifié de la valance. Donc, situation a toujours été très compliquée dans le pays Venezuela avec crise politique et électorale. Sous VOA Créole, on va suivre un programme dans la langue créole haïtienne.
Actualité électorale dans le pays d'Haïti, Petit Dessalines, donc Patia, qui gagne en tête l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, eh ben, lancé un ultimatum par le président BNCA Raoul Pierre-Louis dans quatre scandales corruption qui impliquaient représentant lui dans CPTA en parlant de Emmanuel Vertilaire, Yves Manuel. Fait BNC, un message ça yo, gen pouwe ak yon demande l'agent pou yo capable reconduire nan poste li comme président conseil administration BNC. Raoul Pierre-Louis gon délai 2 jours pour répondre à ka demande ça. S'il pas fait ça, la loi a gen pour forcer selon sa sommation précisé. Document justifié demande ça par une tentative implication Emmanuel Vertilaire qui représentait Petit Dessalines dans le conseil présidentiel là, comme quoi l'État a mandé l'agent à président BNCA. Petit Dessalines a obtenu bon Jean preuve, patien qui représenté par une équipe avocat, gen la donne, Maître Stanley Gaston, Michel Bernard Rosenberg et Latrier. Semaine qui s'est passée là, n'a pas rappelé, gen diverses allégations que t'as fait quoi, 3 conseillers présidents yo t'as impliqué dans la corruption. Institution pays d'Haïti qui chargé pour goumen contre fléau ça saisi officiellement par avocat plaignant président conseil administration BNC yon enquête diligentée dans l'idée pour éclaircir scandale ça qui capable discréditer certains membres dans CPT selon un tweet Edgar Leblanc fils qui c'est président institution ça lui-même l'été fait n'a souligné. Lundi 5 août 2024, là, enquêteur ULCCO tendait président conseil administration BNCA dans le cadre d'affaires corruption ça qui impliquait 3 conseillers présidents. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et bien, la communauté haïtienne dans le pays, la France, qui réagit par rapport à la situation dans le pays et d'Haïti, nous allons rejoindre Franklin Edouard Jedems depuis Ville-Paris. Pendant période grande vacancio et jeux olympiques dans le pays la France, en pile moun en dans communauté haïtienne de France tant tarmé ouais dans période ça, c'est en Haïti pour tap vivre moment ça yo. Yo critiqué dans façon pa yo gouvernement Gary Conil là et force la Kenyan dans tout selon eux même qui beaucoup bail aucun résultat. Pas pour aucune force étrangère t'es rentré dans pays a. Mais après l'homme réfléchi, moi dit si c'est pour aider Haïti ou redorer blason retourner janteye a, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on peut attendre vraiment aucun résultat souterrain. On commence à prendre terrain, mais pour qu'on ait aucun résultat concret. Nous t'ai pensé, venir Gary Conil, ça t'a pris une source d'inspiration pour pays par rapport avec insécurité qui établit dans pays. Ça fait longtemps. Jusqu'à présent, nous pourquoi avoir un signal qui baille. Pendant Monsieur est venu, pendant Gary Conil est venu, il a attaqué Grissier. Pendant Gary Conil est venu, il a attaqué Gantier. Et faut, dans toutes zones ça, c'est des zones nous capables de dire et c'est pas des zones comme ça. L'autre dit Gantier ou dit ces ressources naturelles pays a gain actuellement. C'est une incompréhension totale pour jeunes étudiants en droit et géopolitique internationale là dans le pays des États-Unis qui viennent en vacances dans le pays la France. Parce que selon lui-même, Premier ministre Gary Conil t'est inspiré en pile crédit. Écoutez, faites des ou pas, mais pas oublier, il y a la loi, la constitution. Gary Conil, il gagne pour l'esclave d'abord la loi comme Premier ministre. Et les membres du conseil présidentiel, la travail avec des conseils, puis mener bon match pays à 7. Cependant, si à Bali, on est capable de l'ordre qui pas légal, on faut que les gens croient pour le dire ça. Il n'est pas bon pour pays. En plus, l'observateur tout, t'as remis fait PM Gary Conil songer mission. Parce que pour eux-mêmes, PM n'a perdu. Nous voulons bailler M. Gary Conil 6 mois pour lui nettoyer Port-au-Prince. Et arrivé de Kenya aussi, m'pa konnen, en tant que yon force militaire qui coûte nous beaucoup d'argent, il faut que Haïtiens comprennent que l'argent que Kenya yon vini là, c'est pas Américain qui a bailli. C'est sous nous Haïtiens que yon pral prend l'argent ça pour Kenya yon vive dans le pays. Égal, nous-mêmes, là, dans la communauté haïtienne de France, nous baillons 6 mois. Moi-même, je dis, nous baillons 6 mois. Parce que tout le temps, nous baillons les abats, nous baillons M. Gary Conil 6 mois avec le gouvernement, là.
Et aussi, nous avons M. Biden aussi 6 mois, parce que je pense que c'est le CARICOM qui travaille avec les Américains qui voyait force ça à nous. Bon, jusqu'à présent, nous pouvons comprendre, monsieur Kenyan, pour l'instant, c'est touriste jusqu'à maintenant. Et puis, la médaille ici, nous pouvons en fonction vraiment dans la zone PAMNA, surtout Gantier. Ni Port-au-Prince, ni Grèce, ni Léogane. Nous avons deux missions. La première mission, c'est établir sécurité en pays. La deuxième mission, c'est élection. Jedems Franklin-Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour les Voix de l'Amérique, créole. Et bien, nous parlons en Floride, côté une équipe ancien étudiant, faculté de médecine et pharmacie. Donc, 25 ans après, ils ont même été réunis dans Miami pour témoigner solidarité avec la faculté et docteur Reginald Bolos, qui était parrain de promotion, qui prend la parole dans l'occasion. Pierre-Renel René. C'était d'abord un moment chargé avec émotion pour anciens étudiants rencontrés 25 ans après ils ont été gradués dans la faculté de médecine en Haïti. À travers soirée gala, ça y est organisé dans l'État Floride week-end passé à promotion Jacques Arthur Durosier en Tévelé rassemblé moyen pour continuer à supporter faculté à dans projet LIO. Depuis près de 5 ans, classe 3, et maintenant, collecter l'argent pour l'université. Côté que, nous avons créé un fonds d'ESP avec France IO, nous allons financer et de faculté avec financer le projet que nous avons. Soirée fondraising ça a déroulé dans un moment côté ces bandits qui contrôlaient local faculté et après ils ont pillé espace à n'importe où prince dans commencement année 2024 là. Yon tristesse pour médecin promotion qui voyageait sorti dans tout États-Unis en Crèce Amérique du Nord pour rencontrer trouvaille ça. Parraine promotion dans l'année 1999, yo, Dr. Reginald Bolos fait appel à solidarité et puis engagement promotion pour aider dans la reconstruction faculté à dans un pays détruit. C'est l'espoir qu'a remetté sous pied Sindoué Kwedi School fait dans ces circonstances-là. Mais célébrons la vision d'une faculté reconstruite et plus vivante que jamais. C'est aujourd'hui le grand rêve, le grand combat. Dans ce combat, et malgré les difficultés personnelles, vous pouvez compter sur ma solidarité et mon support. Car, comme je le disais souvent, yon combat, rétion combat. Événement ça a servi tout pour honorer plusieurs anciens professeurs, anciens doyens faculté à pour contribution dans la vie faculté ça. Parmi eux, Dr. Gladys Tassi Prosper, qui sortit directement à Haïti pour te venir participer dans la cérémonie, hein. Puis fort participant, yo sortit tout partout à l'étranger. Ça qui confirme les chiffres qui révélaient 85% professionnels haïtiens qui gagnent un diplôme ou bien une licence. Pas vivre dans le pays, hein. Moi, c'est Pierre-Renel René, depuis Miami, État Floride, pour VOA Créole. Et c'est avec le reportage Pierre-Renel René que nous avons mis fin dans le programme. Mais avant d'aller, nous avons un tableau médaille Jeux Olympiques qui a déroulé dans la ville Paris, dans le pays la France. D'abord, États-Unis avec plus quantité de médailles, les numéro 1 et bon numéro 1 parce qu'il y a plus de médailles d'or. Donc, les République Corée et puis semble la Hollande avec Canada. C'est là n'a pété fin dans programme non. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Nelson, me souhaite bon vacances, enjoy et puis semble Rob McLean et puis Mac Hervé Abela. Moi c'est Jacques Labelizer, donc rendez-vous c'est pour demain. Merci d'être côté branché. Et les semti nous que moun akaye et cabaret qu'on est une soirée m'a dit très très difficile. Et bandi 5 secondes que Izo a dirigé, nèg yo sorti de village de Dieu, on parti là dans pour me dire bien, nèg yo décidé envahir moun akaye à cabaret et nous apprendre ta que plusieurs moun qui prend balle, qui eux même ta mouri et que plusieurs blessés et nous apprendre tout ta que plusieurs dans présumé bandi yo, ben dans théorie yo même tout qui sorti victime dans quatre attaques qui ont été fait sur moun cabaret akaye. Je dis les semti nous
Bandi yo tellement à l'aise, et pas à l'aise pas se blesse non, mais yo tellement à l'aise, ou imaginez que nèg yo sorti et village de Dieu, parce que pas oublier que Izo, li et papi et monsieur Sexe Goldio, dans différents groupes armés, gen nan Jeff Kana en Gaulois, gen ki nan 400 Maroso, gen ki et papi en dedans vivent ensemble, mais à travers une petite vidéo, que nous avons gardé des Ibanez, nous capables de voir que bandi yo criminel, yo terroriste yo, nèg yo réclamé sa rivé à Kaye Kabar, que c'est eux même équipe isosexuel godan qui posait action ça. Jodi an, l'État pas présent dans Arcaye, l'État pas présent dans Cabaret, l'État pas présent dans pays. Qui donc jodi an a dit que désir ni Cabaret ni Arcaye, yo encore yo sous contrôle bandi armé yo, yo sous contrôle criminel assassin dans pays d'Haïti. Jodi an, qui sa autorité qui l'a, soit disant PM Gariconi, soit disant déchet la police Ramona Mil, soit disant conseil présidentiel yo, et qui sa a posé et qui sa fait comme action pour yo capable porter réponse avec situation insécurité que moun akaye et pays ap konnen. Nous pral pou nan la kaye pour nan konnen sa gen comme information en détail des histoires qui mon frère. La situation insécurité c'est presque dans tout le pays, la paix augmentée par rapport avec laxisme, irresponsabilité, autorité au qui dans la police et dans l'État central, qui croise Brao, cap observé tant pour gentil, moun akaye te connaît des situations extrêmement difficiles. C'était un gros vent panique tout et qui t'a soufflé dans la commune Cabaret, journée qui était 6 et dans août 2024 là, et dans conflit coup de balle qui t'a éclaté et qui t'a tiré sorti dans zone Guiton, élève qui t'a composé, t'es trouvé dans une situation qui était extrêmement difficile, ça veut dire, journée examen baccalauréat, et c'était une journée bouleverse à cause de zam qui t'a tiré. Habitants qui dans la commune Liancou, la guette de bras balancés, côté situation insécurité a augmenté presque chaque jour. Eh bien, situation si là, était pratiquement prancheur depuis 6 juillet 2024. Depuis lors, dirigeant yo, pas jamais dit rien. C'est une équipe qui, à travers table sectorielle à Liancou, qui regroupe divers secteurs dans la communauté à un département de la Tibonite, qui exigeait autorité pour faire la police tourner dans la communauté pour permettre que les citoyens soient capables de vaquer avec activité. Force révolutionnaire entente nationale, frein, c'est non un nouveau parti politique qui présentait hier 6 d'août 2024. Qui est-ce qu'il a dedans? Eh bien, on a un ancien ministre et MTPTC, ministre et qui lié directement et qui pratiquement te gagne responsabilité en dedans pays dans le gouvernement Jovenel Moïse et que dans MTPTC, dans le ministère de travaux publics, transport et communication, et bien Guy Philippe qui c'est coordonnateur national au niveau et parti Sila. Même ça, Guy Philippe annonçait cette personne, l'idée pour la faire parade en Afrique et pour la laisser d'autres garder, pour la chercher qu'on est tourné dans la racine, pour la qu'on est est-ce que ça qu'elle gagne comme révolution qu'elle a annoncé en dedans pays, et gardez messieurs dames, dans le conseil présidentiel transition, dans le gouvernement Konina, qui parle présenter rien, qui parle faire rien pour pays, eh bien, il va regarder qui j'ai au cabrin, quelle situation, et révolution, cette fois-ci, Guy Philippe semblait annoncer le pour de bon. Surtout, les regarder, divers conseils présidentiels qui ont plongé dans la corruption en dedans pays. Premier ministre Gariconi, bonjour par la vérité, qui rend que la vie peuple haïtien a 24 fois plus difficile et lamentable. Premier ministre Gariconi, ak ministre éducation, nous voulons parler d'Antoine Augustin. Dans la première journée examen, ils ont défilé, ils ont allé dans le Canada, les personnes. Ils ont alloué et les vieux ont composé. Dans le moment tout, à travers visite là, premier ministre Dr. Gariconi, t'es gain intention pour réaffirmer engagement gouvernement que l'a dirigé a gain pour le camper bon côté timoun l'école. Cependant, examen organisé, timoun yo qui dans quoi des bouquets, les personnes yo t'ai trouvé dans quoi difficulté, yo t'ai joine fiche d'examen pour t'a composé. Timoun qui t'ai dans Liancou, examen pas organisé dans commune Liancou parce que pas gain centre d'examen dans ça. Et le premier ministre a fait quoi? Li pral prendre engagement, elle profiter pour le montrer détermination pour le travail pour renforcer système éducatif là en dedans pays a. Et ils ont tout profité tout pour dire qu'ils ont pris le côté support. Pour ensemble, Timoun, c'est promesse, ministre éducation, après le ministre arrivé fait, pour supporter par un et continuer et grand décision sur la vie Timoun, gouvernement à travers le ministère éducation nationale. Eh bien, non, ça qui est pour eux, ils ont annoncé question financement pour année scolaire. Support pour parents, élèves, dans l'école publique, municipale, à communautaire, yo. Eh bien, ils ont gardé pour eux, ils ont fait des 280 000 parents qui pral gagner pour yo joindre support à travers divers départements en dedans pays. Qui ça support à pied, yo parlé sorti de 15 000 gouttes pour arriver 20 000 gouttes. Qu'on y a qui question que nous poser tête nous. Qui l'école? Comme yo parlé l'école communautaire, yo parlé de l'école nationale,
que yo pral payer à travers 15000 gouttes là, mais qu'on y a un gars. A pile ti moun yo ki abandonne kayo, ki pratique pa dans l'autre communauté, ki pral besoin pour payer taxi moto pour année scolaire, est-ce que ça li pral permettre que yo répondre avec besoin si moun yo vraiment. Yo garde tout distribution livre pour classe première année pour arriver quatrième année dans premier cycle l'école de base. Yo garde tout distribution et ça qui pour avec tous l'école uniforme à banc que on doit distribuer tout les Peterson pour année scolaire qui a venir. Yo parler renforcement multi publication cantine l'école yo. Yo garde établissement yo. Yo garde formation professionnelle pour quatre nouveaux matières que on va gagner. Nouveau matière de base que vous pratiquez bien que vous pouvez rentrer dans le système éducatif là, c'est-à-dire éducation esthétique et artistique. Vous parlez de ça à tout. Songez l'année dernière, vous tapez CES, vous êtes capable d'insérer les parents, vous êtes levé, vous avez dit non, que vous n'avez pas préparé pour ça, pour Timounio, vous allez composer dans le modèle matière ça parce que pas de gagner professeur pour vous. Vous gardez éducation physique avec sport, vous gardez éducation technologie avec activité et productif. Yo essaie donc regarder ça yo regarder éducation à la citoyenneté et regarder validation application cadre orientation curriculum que pral gagner pour regarder dans l'école qui pral l'ouvrir pour 1er octobre que monsieur Damio annoncé à l'institution. Deuxièmement, c'est qu'il y a un ensemble de points qui nous prennent faire débat sur, mais pas oublier, j'en détient. Nous pourrons aller dans le cabaret à Kaye, parce que là, il est vraiment intéressant. Et l'aime si intéressant là, qui c'est parce que je dis en là. Vous imaginez que deux groupes armés sortis juste dans le village de Dieu, dis-moi, est-ce que sortis canard à l'envahi moun dans Akaye cabaret? Et déjà, cabaret à Kaye, c'est le côté qui est déjà abandonné. La police pas présente, l'État pas présent dans la zone Sayo. Et je dis en, imaginez que, dans qui niveau que bon Dieu a décidé d'envahir, attaquer moun qui vivent dans la zone Sayo, m'a dit qui ça l'État et qui ça autorité yo, a privé fait pour capable de contrecarrer action bandit qui a pas problème dans son cabaret à Kaye parce que c'était environ 1h, 2h, 11h en souhait. Moun yo tap lancé SOS, moun yo te obligé à prendre rage, à prendre mon prio, pour yo pas de victime en babal bandit armé. Et élève qui a proposé dans 300 examens dans niveau Akaye et yo a proposé sous tension sous pression yo a proposé anti pendant que chez sous fait là y a veillé pour est-ce que bandi pa bambari yo ensemble de samba c'est qu'on va analyser yo nous prend regarder yo et nous prend attendre yo désir Venesse entre-temps nous casser les quelques amis j'en crois habitué faire chaque jour et bien pour aller dans la rue avec collaborateur yo. Très bien, les personnes n'a saluer Shekina qui toujours avec nous qui estime que travail important pile nous pas Shekina Grégory Toussaint, non? Non, bon, pas que c'est Shekina Grégory Toussaint, mais son Shekina qui est toujours avec nous, nous partager salutations et big up à Marie-Jasmin qui est toujours avec nous. On dit Marie-Jasmin, merci en pile pour écouter, pour fidélité avec Messac Nouvelle, Blaise Info, pas une nouvelle. Nous saluons Fanaise et Simfon qui est toujours avec nous tout. Nous disons merci en pile pour écouter avec fidélité. Nous saluons Raphaël Saint-Ville qui est toujours branché. Nous disons grand merci. Nous saluons Alvarez Tosou qui est toujours avec nous. Oscar Odius qui est toujours branché. Nous disons merci en pile. Ça fait un grand plaisir. Francis Charles, big up pour mon frère. Nous content ouais, qu'il est toujours avec nous. Nous saluons également Zanissa qui pratique penser et Brunel René qui est toujours avec nous. Merci Brunel Redesca. Nous comptons ouais, qui est toujours fait la route à nous et qui tes commentaires dans quatre émissions qui nous présentent sur mes sacs nouvelles. Nous saluons Laurette Basile qui est toujours branchée. Nous disons Laurette Basile, grand merci parce qu'elle est toujours avec nous. Nous saluons Patrick Chéri qui est toujours branchée. Nous disons Patrick Chéri, merci en pile parce que vous toujours là. Vous regardez ensemble émission et réagir là-dedans. Immaculée Vénéus, merci en pile parce que vous toujours là avec nous. Janine Petit-Homme, big up, merci parce que vous toujours avec nous. Carole Charles, merci pour écouter, merci pour fidélité. Et Will Lanchard, merci pour écouter avec fidélité également. Yveline, merci parce que vous toujours avec nous. Marie, merci Marie parce que vous toujours avec nous. Ça fait un grand plaisir. Là, nous faire coucher, nous, qui est toujours là. Fred Pelé, merci parce que vous toujours avec nous. Ça fait un grand plaisir. Nous saluer et Immaculée Lafleur, merci parce que vous toujours avec nous. Ça fait un grand plaisir pour nous connaître qui est toujours avec nous. Marie-Claude Germeville, merci parce que vous rejoignez une famille. Mais ça, nouvelle, Blaise Info, pas une nouvelle, 24 heures, Info, c'est une nouvelle haïtienne. Nous saluer Jules Alex Aldor, merci Jules Alex Aldor, merci parce que ou toujours fait partie des amis qui a suivi émission et réagi dans ça qui gagne pour avec émission qui est présentée et sous mes sacs nouvelles. Junior Pierre, merci pour écouter, merci pour fidélité mon frère. Nous comptons parce que ou toujours avec nous, ça fait un grand plaisir pour nous partager salutations à coup pour écouter. Nous saluer Nanette Beaubouin qui est toujours avec nous. Merci Nanette Beaubouin, ça fait un grand plaisir. Content que ou toujours avec nous, ça fait un grand plaisir parce que ou fait partie grand famille mes sacs nouvelles là. Nous saluons Nicolas
Nicolas Ferville. Merci pour écouter mon frère. La situation, c'est ensemble, nous sommes sur l'issue pour nous saluer. Pour émission ça, je dis, et sans doute, nous t'adouer. Alors là, pour nous joindre Claude Naider, Antoine, Fred Kelito Banat, qui pral dit nous, qui Jean, la rue Port-au-Prince, y est, pour qu'on y ait, la situation. Effectivement, et des Ibanez, nous allons regarder avec Claude Naider Antoine, mais j'en ai dit, hein. Nous allons mettre, direction projecteur, nous allons l'imener dans la ville Aka et Cabaret, et concernant la situation sacrivée, dans la soirée que t'es mercredi, mardi, hein. Et Claude Naider Antoine, mon frère, s'il vous plaît, si chaque fois que, ou avec nous, et pour nous informer, ça m'était, nous, dans l'émission Parler pour Changement, nous allons aller directement, puisque, j'aime de déjà dire, et m'aider à apprendre ça, et bandit, bon, on dit, n'est-ce qu'il réclame action passée, bandit, iso, sexuel, grand Dieu, village de Dieu, n'est-ce qu'il décide en va, mélangé avec de l'autre bandit et les canards en Dieppe Gouloyo, qui ont décidé d'envahir mon cabaret à Kaye et qui mettaient en pile sang, en pile d'ail, dans le temps de dans le soir, qui m'a dit, si là ou tant, que l'aide Antoine, comment est-ce que ça a eu comme information en détail? Ah ben, c'est qu'il y a plein de personnes qui me saluent, et les Ivénès, et tous les amis internautes qui sont toujours avec nous dans l'émission Parler pour Changement, qui c'est l'émission PAO, et Jean ont dit la blessée personne et hier soir mais bagaille pas du tout mais capable dit dans commune Akaye surtout dans commune Cabaret mais hier soir bandi envahi moun sa ou dans zone sa ou mais c'est surtout bandi jondia 5 secondes et avec Taliban yo mais monsieur ça ou même qui fait un seul mais qui envahi commune Cabaret qui mettait en pile d'œil mais dans commune ça ben faut que je gagne plusieurs moun environ une dizaine moun ben qui perdit la vie dans commune de Cabaret ben ça a coupé tête yo ça yo on capable tirer et gagne caille tout mais yo piqué différent yo et gagne l'autre matériel moun yo même qui mettez différent yo dans zone ça ben hier m'a dit qui était capable discuter 6 d'Aoua ben c'est en commune Cabaret avec Akaye ou même qui passait ben un mauvais moment hier soir. Eh ben monsieur même qui débarquait en sango vraiment mais qui mettait en pile d'œil dans zone ça mais faut qu'on comme faut qu'on tout blaise et pas vraiment gagner présence la policière eh ben dans zone ça yo ça lui même qui poussait monsieur même yo ta banda plus eh ben dans zone ça mais depuis pour semaine dans blaise qui t'aime signaler ça depuis là m'a passé eh ben dans zone bon repos lion petit gens difficile pour me capable remarquer eh ben monsieur et taliban yo dans zone côté mon qu'on habite ouais ta couche sous la rue au sous action et ben c'était vraiment difficile pour me capable ouais tant qu'on gagne caillou qu'on positionner yo et ben l'aime passer moi porte caillou fermé côté qu'on positionner moi me pas ouais yo et ben c'était asso ça lui même qui t'a préparé et ben monsieur même qui mené asso ça dans zone là dans la commune Akaye et Cabaret et ben hier soir Jean Diablaise environ une dizaine monde yo même yo perdu la vie et capable dit pour matin là et ben activité même pas trop en forme toujours et ben dans zone ça activité toujours pas trop en forme c'est vrai les nous garder dans zone bon repos dans on prend et gagne quelques machines qui a chargé qui a prélé AK et Cabaret et ben mais activité même pas trop en forme machine même capable toujours et ben prendre direction Cabaret ou du moins direction AK mais c'est dans bout route que il y a mettre mouyo et nous capable remarquer tout. Il y a quelques machines tout qui a rentré, quelques camionnettes qui a rentré sorti ben dans zone Cabaret à Kaye qui chargé avec marchandises mais qui a rentré malgré tout activité yo même yo proposé prendre net ben dans zone ça parce que ben c'est hier soir monsieur même yo mené asso ça et c'est un asso qui a continué parce qu'on connaît et puis monsieur même yo monsieur ça même yo mettait pied dans espace et puis objectif là pourquoi atteindre ben yo pas bye bye eh ben faut que moun ki nan zone sa yo sa ki poko kouri yo sa ki poko kite la kayo faut yo fè en pile précaution en pile prudence parce que monsieur yo même yo toujours eh ben nan zone nan yo toujours dans bloc yo eh ben pour capable continuer eh ben mener asso sa eh ben ke yo tanmen ayer soir eh ben nan commune Akaye la situation en nous garder non commune Akaye Cabaret puisque moi on est arrondissement c'est arrondissement et Cabaret bien Akaye j'ai dit là et qui gagne Cabaret qui gagne Akaye la donne mais on dit arrondissement soit qui mêlé avec deux communes ça au Cabaret Akaye et yo, la police mais l'état pas présent seulement la police mais l'état pas présent dans commune ça au Clonard de selon j'ai comme information non l'état pas vraiment présent dans zone ça yo et j'en dis à tout la police tout mais il pas vraiment présent et tant qu'on a commissariat qui gagne à Kaye à Blaise capable de contrôler sous doit tout mais quantité policier administratif qui la donne mais ça tout qui fait travailler soir permettre que monsieur même retirer quoi yo
ben qu'on y a la moun yo même moun qui dans zone ta qui a vivre dans zone ta yo yo ville livré et ben à eux même seulement et ben dans commune ta et ben pas vraiment gagne présence l'état et tout pas vraiment gagne présence policière et ben dans zone ta yo tant qu'on capable si commune Akaye et Cabaret Blessitation. Disons l'avance avec Tonal de tout, bon, et par rapport avec question et à Cabaret à Kaye. Mais j'en dis là, et c'est SOS qui a lancé Mouna Cabaret, Mouna à Kaye, côté qui m'a dit envahi zone Sayo et commune Sayo. Oui, depuis hier après-midi, et SOS même a lancé, et pas vraiment gagné présence policière, mais ça qui arrivé hier soir, il arrivé environ 10 mouns, 10 del mouns, yo même ont perdu la vie, ça a coupé tête, ça a lâché des personnes. Image vraiment choquant et il y a un pile moun tout qui est à courir quitter la caillou mais pour permettre et ben monsieur eux même yo pas arriver et ben sous yo pour pas victime dans son tal en avance ici avec très bien Claude David Antoine on essaie donc regarder parce que nous connaît nous dans plein période examen et est-ce que ça qui arrivé dans cabaret à caillou et hier après-midi pour arriver hier au soir est-ce qu'elle totalement paralysé question examen baccalauréat qui t'a organisé dans zone Zayo. Qui est la situation pour élève yo? Eh bien, situation pour élève yo des îles, il est capable de dire chaotique. Et parce que on connaît et c'est hier soir, et je dis, il même il tape troisième jour examen officiel yo. Eh bien, il y a un pile élève yo même, un pile élève avec parents yo même, qui courent quitter la caillou. Donc, je dis là, eh bien, il t'a supposé aller proposer. Eh ben dans salle d'examen mais pas gain ça c'est vrai eh ben gain quelques salles d'examen même à vous mais qui a forcé pour ouais est-ce que eh ben était capable finir avec poser examen c'est là qui c'est jeudi avec demain CV mais gain en pile élèves yo même qui pas arrivé eh ben qui pas arrivé rentrer dans salle d'examen jeudi par rapport eh ben avec action ça qui bandi au mené mais zone dans lui même vin sa separe casual timide et en pile nan moun ta ou même qui ta vive nan commune Akaye et Cabaret et ben yo couri et la caillou hier soir mais poser examen officiel là lui même capable dit et ben il pas fini nan commune ta par rapport avec ça qui même qui passait hier soir. Très bien. Kounya on regarde et est-ce que situation ça qui produit dans Cabaret avec Akaye et qui gen circulation y nan et rentrer noir pour aller non et capital pays dans l'ouest qui en ça est pour jodi hein mais vous pouvez qui t'aime dire gain circulation lui même li fait surtout dans rentrer nord là même si dans rentrer nord là l'arme sur route nationale numéro 1 parce que mais AKR avec Cabaret c'est sur route nationale numéro 1 même positionné yo et ben nous remarquer gain quelques canonnettes yo même qui a rentré avec marchandises pour yo donc en pile l'âme véritable en pile Mayotte qui a passé aussi ben dans zone ça yo et pour ça tout nous remarquer quelques minibus yo même qui a pas pris direction ça qui a pointé pour route nationale numéro 1 qui a pointé direction Cabaret AKR mais est-ce que ben yo a joué une possibilité pour capable passer dans espace ça yo mais nous avec en pile qui chargé mais qui a pris direction ça yo tant qu'on niveau ben rentrer puis là c'est surtout là les machines qui pointent direction route nationale numéro 1 yo. Yo même yo chargé mais nous remarquer minibus yo même yo chargé et pour ça tout gagné chauffeur moto yo même puis toujours fait espace là mais je dis à nous pas trop ouais yo en pépant mais gens ça qu'on habitué de vous river dans niveau 4 ou 9 chauffeur moto ça qu'on dit en pépant avec sac paillo yo a chargé pour capable protection Cabaret pour capable protection Camichel avec madame Sarah mais je dis à mais ça lui même il faut diminuer bon côté chauffeur moto yo. Mais c'est une circulation lui-même qui a fait des outils humides, parce que j'ai quelques camionnettes qui a fait à l'Evignan, de quelques chauffeurs moto qui a fait à l'Evignan, mais c'est pas à la coutume, mais j'en sais lui-même, mais qu'on y est, eh ben, dans le jour avant, dans le jour passé. Ça veut dire, malgré situation insécurité qui gagne, et dans AKS sur route nationale numéro 1, parce que nous remarquons une vidéo qui est virale, côté bandit, réclame de 5 secondes, qui dans l'espace Bercy, et qui sont localités qui, dans AKS, côté moun, yo te gagne des barricades qui te gagne dans la zone là. Malgré bandit, a fait tout ça qui a fait comme exaction, yo pas empêché circulation. C'est ça, vous voulez faire nous comprendre, quoi, d'ailleurs? Et, y'a pile chauffeur des qui emploie l'autre stratégie tout. Yo pa plan notre stratégie, on va passer sur route principale là, on va passer sur axe principal là qui c'est route nationale numéro 1 et yo faut filer par dans route par en dedans, dans route terre et ben yo même yo faut filer par là pour capable prendre direction et habituellement tant que chauffeur camionnette qui a prendre avec marchandise yo,
c'est surtout qu'est-ce qu'a fait ça là nous beaucoup cousins va se faire à distance tout là okay. Et lui fait dans niveau station pour ça voilà les étapes je viens de couper mais bon machin est-ce que c'est des machins nous a pris oui vraisemblablement parce que nous les machins nous même ils ont été appelés en bas n'apprêtent et rentrer 17 bon 2 3 4 tout vient en fait là oui nous t'as pas avancé désir pour nous dire et chauffeur yo même yo profiter faire et ben axe secondaire et ben pas passer sur axe principal là par rapport avec Jean Mounio même yo cadrillé route nationale numéro 1 et côté bloqué et ben qui permet chauffeur même yo pas cadrillé et ben passer sur route nationale numéro 1 et chauffeur même on connaît et chauffeur bus ça même yo chauffeur minibus yo yo gen en pile stratégie et ben yo passer dans route par en dedans pour y aller déboucher puis devant et ben dans l'autre zone pour capable prendre direction soit Saint-Marc, Lester, ou du moins c'est Gonaïve. Très bien. Et ça veut dire, Minibisio, il y a gain accès, il y a traversé, mais il y a passé par route découpée, c'est paragé, qu'il y a passé. Mais qu'on y a, on essaie d'autre regarder, est-ce que sécurité moun yo vraiment garantie, non franchi, route terre, ou bien route rasée, qui a fait? Pas de plus de détails, sur route ça, que le chauffeur a fréquenté. Et si route ça, le chauffeur même yo fréquenté, yo. Donc axe secondaire yo, et c'est surtout route qui très fragile très difficile parce que et pas vraiment gagné moun nan zone ça c'est surtout et quelques routes que chauffeur eux même yo tenté faire rapide pour capable déboucher dans l'autre axe et route ça même pas vraiment en sécurité parce que en sécurité si route principale la désir il pas en sécurité ou pas une présence policière eh ben route qui pas en dedans même c'est pi mal eh ben chauffeur ou même qui résie yo et passager tout qui marqué yo eh ben pour capable faire route et secondaire pour capable eh ben aller déboucher puis devant pour éviter eh ben zone côté qui gagne des blousa.